En direct du 12 Petit Lamonnet dans un burger vegan qui a notre famille, le burger vegan Mondialement. Dans la boutique. Ah non. Ah, j'ai pas saisi. C'est quoi le nom de la boutique burger vegan? Non, c'est Toubibi. Le Toubibi. Donc en direct du Toubibi avec Victor comme tout le monde, non, Victor Suarez, un des tauliers, puisque Cyril s'est barré parce qu'il y avait autre chose à foutre. Il a bien raison, parce que merde. La vie, c'est important. Alors, 12 rue Petite Lamonnet, c'est dans la parallèle du monde parallèle du centre de l'hypercentre. Alors, ça a ouvert il y a combien de temps, Victor? Ça a ouvert en septembre 2019, donc ça fait 2 ans et presque demi. 2 heures moins le quart avant le Covid-19. Et justement, c'était pas prévu le Covid. C'était pas du tout prévu, forcément. Alors, comment vous avez. C'était quoi votre idée de départ et comment vous avez géré Notre idée de départ, en fait, à la base, donc, c'était de proposer nos burgers et, ouais. Et de travailler avec les touristes et les locaux de Perpignan. Ouais. Forcément, ça a été chamboulé par rapport au Covid. Donc, ouais. En fait, on s'est retrouvé avec une toute petite clientèle de la ville, hein, et des ouais. Environs. Entre le Covid, les confinements et les couvre-feux. Vous faisiez beaucoup de emporter. On a dû basculer sur le emporter et trouver notre façon de travailler, donc notamment la livraison aussi. Du télétravail. Presque. Du télétravail, de la restauration. Donc, ça a commencé. Vous avez touché les aides? Parce que vous m'aviez invité. Alors forcément oui, en fait... Il y a le côté, c'était un peu jacadis ces histoires, tu fais un double 6, tu remplis le 3. C'est ça, ben, je crois que personne ne savait trop comment ça allait fonctionner, donc nous on a carrément fermé le premier confinement, ouais. Et on a réussi à avoir une aide de l'État, donc on a eu 1500 euros, hein, ce qui nous a permis de payer notamment le loyer et les petites charges, quoi. Le deuxième confinement, du coup, on a eu le temps de nous réfléchir et de le voir venir. Ouais. Et voilà, on avait anticipé, on s'est mis sur la livraison et la vente emportée. Donc, on va arriver au cœur de la meule. Qu'est-ce qu'on mange ici? Alors ici, au Toubibi, on mange des burgers végans. Donc c'est des produits uniquement sans rien d'origine animale. D'accord. Voilà. Comme des vrais burgers, mais uniquement à base de végétaux. D'accord. Donc, c'est pas toi qui les fabrique. Alors, c'est une chaîne de qualité qui fournit. C'est ça. Je travaille avec une marque donc, voilà. qui a la particularité de faire des burgers, des steaks végétaux, très semblables à un steak haché à base de viande. D'accord. Semblable en goût, en texture En goût, en texture et en visuel. D'accord. La question, c'est pourquoi végan? Moi d'habitude, je mange du carcasse de bœuf, alors ça m'intrigue. Alors le végan, le véganisme, en fait c'est un mode de vie. On exclut tout ce qui peut inclure l'exploitation animale. Mm-hmm. De toute façon, aujourd'hui on le verra, même dans les produits d'origine animale, il y a de plus en plus le bien-être animal qui est mis en avant. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés par ça. Il y a même des éleveurs de bœuf qui disent qu'ils aiment bronzer au soleil en buvant un burrito avant. Donc, pas jusque-là, c'est dommage, mais bon. donc voilà. Alors, il y a des burgers essentiellement. Fais-nous la liste. Le pourquoi et comment. Il y a du tofu. Ouais, il y a du tofu aussi. Il y a du tofu pané. Donc, il y a la marque Beyond Meat avec laquelle on travaille aussi. Une autre marque française qui s'appelle Happyvore. Mm-hmm. Voilà, qui sont un peu les grandes références des produits vegan. Ensuite, on a des petites pâtisseries faites maison aussi, ouais. Des tartes framboises, cheesecake, des donuts et des cookies. On fera des photos. Voilà, et on a aussi des boissons, on a un espace coffee shop, on prépare des boissons chaudes aussi. Donc, du coup, la clientèle, on est dans un quartier populaire, on va dire ça. C'est un des quartiers populaires de Perpignan, oui. Donc, est-ce que c'est pas chaud, patate douce, comme on dit, pour ouvrir ce genre de choses ici, qui habituellement on voit dans les centres feutrés et re-gentrifiés, etc. C'est pas très gentrifié non plus ici. Donc est-ce que c'était pas audacieux de votre part, à toi Cyril, d'ouvrir ça ici? Alors je l'espère que c'est audacieux. Il y avait deux points en fait. Donc c'était d'amener une nouvelle population dans le quartier. Ouais.
Et la deuxième, c'est que le fait même d'être un peu dans un quartier populaire, le fait de notre concept, les gens nous cherchent et viennent jusqu'à nous. D'accord. Donc voilà. Et franchement, je pense qu'on ne s'est pas loupé là-dessus. Donc ça a marché, quoi. Outre l'aspect dont on parlait Covid, quand le monde à peu près normal est revenu... On n'y en est pas encore, mais... Ouais. C'est comme Bruce Willis dans l'armée des 12 singes. On lui a passé des girafes de temps en temps comme ça. Le pari est gagné, d'autant plus que votre visibilité internationale, si j'ose dire, est bon. C'est-à-dire que dès qu'un touriste barcelonais ou hollandais se perd, il arrive à retrouver votre Saint-Église de vegan pour aller manger et pas se perdre. Tout à fait. Et on a même eu plus loin que Barcelone, par exemple. On a eu les plus loin, franchement, que je sache, Canada et New York. Ouais, ils sont pas venus à pied, on rassure les gens. Ils sont pas venus à pied de New York, non, bien sûr. Mais ils vont chercher, ils sont arrivés à Perpignan et ils ont dit on cherche tout l'île. Ils sont venus. Donc vous êtes une marque de fabrique, vous représentez quelque chose pour le monde à Perpignan. On essaye. Vous êtes un accent du monde, aurait dit David. Sans prétention. Alors, là, vous avez combien de mètres carrés Au total, on a, 35-40 mètres carrés. Ouais. Entre l'espace salle et la cuisine. Et donc, la jauge à l'intérieur, elle est à combien? J'ai 12 places assises à l'intérieur et 4 en terrasse. Bien. Et donc, c'est quoi le futur pour le 2VB? Le futur pour le DVB, dans un premier temps, c'est déjà de réussir à convaincre les Perpignanais qu'on peut manger un bon burger sans forcément exploiter des animaux. Ouais. Il y a encore ces idées un peu reçues comme quoi un repas sans viande n'est pas un vrai repas. Ouais. Est-ce que c'est pas du marxisme vert finalement? Du quoi? Du marxisme vert. Qu'est-ce que... Être contre l'exploitation des animaux. Je vois pas trop de mal à ça, en fait. Non, c'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a une page Facebook, un Instagram, oui, bien sûr. Un numéro de téléphone, enfin voilà, puisqu'on arrive à la fin. Ouais, on a une page Facebook, c'est Touvivi Perpignan. Pareil pour la page Instagram, c'est Touvivi Perpignan. Vous pouvez le trouver aussi sur Livraison avec Uber Eats. Ouais. C'est tout dit, de bébé, et voilà. Victor, ouais. Suarez, merci. Merci Nicolas.